Il y a un an, on s'est mis en tête d'offrir aux Bruxellois une nouvelle alternative de mobilité durable. Des vélos électriques en libre service, sans station fixe, accessibles via une application mobile. On l'a appelé Billy. Billy, c'est la mobilité au service de tous. Au-delà de l'impact que nous avons sur le trafic et la qualité de l'air, nous offrons de l'emploi à des chômeurs et les formons à un métier en forte demande, la réparation et l'entretien de vélos. Depuis septembre 2017, nous testons le service avec 500 Bruxellois qui, ensemble, ont fait 15 000 trajets. Cet été, nous allons ouvrir, enfin, aux 8 500 personnes qui sont sur la liste d'attente et aux milliers d'autres Bruxellois qui sont coincés dans les embouteillages de la capitale. La prochaine grande étape sera d'agrandir la zone dans laquelle nos utilisateurs peuvent se déplacer. Et c'est là que nous avons besoin de vous. Afin de terminer la production de nos 150 nouveaux vélos, de faire grandir notre équipe et d'impliquer nos amis, nos utilisateurs, nos ambassadeurs dans le projet, nous faisons une levée de fonds de crowdfunding via la plateforme Lita. C'est l'opportunité de devenir actionnaire d'un projet à impact avec un potentiel de croissance qui s'étend bien au-delà de la Belgique. En plus de ça, via le système de Tax Shelter, vous pouvez déduire jusqu'à 45% du montant investi. Si vous n'êtes pas encore convaincu, voici un petit mot de notre ministre de la Mobilité, Pascal Smet. Brussel est une stad van auto's et moet une stad van mensen worden. Dus elektrische deelfietsen zijn het ideale antwoord voor ons mobiliteitsbeleid. Voor korte verplaatsingen gebruik je de fiets. Als je elektrische fietsen in de openbare ruimte ter jouw beschikking hebt, dan kan je gewoon je goed, snel en gezond verplaatsen in Brussel. Vandaar dat Billy een belangrijke speler in Brussel zal worden.